Putain, j'ai eu grave de l'eau chaude, je suis trop refait, wesh. Ça va être bon, de putain. Il répond pas ? Il dit qu'il est busy. On a vraiment ça pour 4? Bah, je sais pas. Pour 5? Si, c'est cool. Bon, bah, on a un minibus pour 5 parce qu'il n'y avait pas assez de place dans une voiture. Du Et coup. Ça, c'est c'est assez agréable. C'est classe, hein? Alors, on est actuellement dans la campagne profonde indienne à bord d'un bus de luxe. On a vraiment de la place. S'allonger, dormir, comme vous pouvez le voir. On en a pour 5 heures de route avant d'arriver. On va dépasser Agra, on va aller voir un temple, puis ce soir on va retourner à Agra. Et le paysage est semblable. Hein. On est entouré de huttes, j'ai vu des chameaux, même des animaux qui s'apparentaient un peu à des flamants roses, des buffles. Et ici, c'est l'agriculture à l'ancienne. Alors, allez, petit singe, regardez les singes. Dans un restaurant pas du tout touristique. Le petit cheval donc, est né ici apparemment. Il jouait grandeur nature avec des esclaves donc habillés de la même couleur pour chaque équipe. Il devait tirer les dés et donc les jeunes filles esclaves elles couraient, elles avançaient comme des pions sur c'est la même forme du plateau quoi. Ici. Quoi. Ouais. Que vous entendez le bruit des perruches. Elles sont cachées dans cet arbre là-bas. Et je les attends. Elles sont cachées, du coup on les voit pas, c'est le principe d'une cachette. Mais je suis à l'affût. Je ne les raterai pas. Alors où allons-nous? On va la caméra. Avoir une vue. Taj Mahal de derrière. De l'autre côté de la rivière. De l'autre côté de la rivière. Petite précision, le Taj Mahal a été construit par l'empereur. Comment s'appelle-t-il déjà? Il a été construit en mémoire à sa femme, une beauté légendaire, qui mourut en donnant naissance à leur 14e enfant. Et il s'est juré de construire un palais aussi beau que sa femme. Et petite anecdote, dans les années 80, le Taj Mahal prenait une teinte jaunâtre parce qu'il y avait trop d'usines à proximité. Donc ils ont décidé de fermer 200 usines et de virer toutes ces personnes qui travaillaient là-bas juste pour garder le Taj Mahal propre. Et moi j'aurais tiré par un port. Ouais, c'est ça. C'est là qu'on va demain. Il est 6h du matin, on est parti pour le Taj Mahal. Mmh.
Victor se fait agresser parce qu'il a mangé dans sa main. Je crois qu'il a peur. Et 11, c'est la 22, et la 22 coupole, ça représente que le Taj Mahal qui a pris 22 ans pour construire. On est derrière le Taj Mahal, et le Taj Mahal, c'est le merveille du monde, c'est la symbole. Il fait trop froid ici. Tu l'as rentré comment, mec? Il est tiré. Alors, ça, c'est ça. Ton pied est long. Non, je suis fait dans la longueur. Intelligent, lui. Faut tout lui expliquer à celui-là. Hein. C'est bon, on a l'air intelligent. Non. 6h30.